1, 2, 3, 4. Il y a un peu de... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est en direct, par contre. Mais par contre, il y a un décalage énorme. Bien. Mesdames, messieurs, donc, excusez-nous de ce contretemps pour ce conseil municipal du 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, nous avons un petit peu de retard. Voilà, donc, bonjour à tous. Nous allons procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Donc, Jean Bronneau a donné une procuration à moi, Michel Solignac à Jean-Luc Rio, Magali Bargoton à Joanne du Sautoir, Noémie Dabrowski Blanchard à moi-même, Nathalie Séré-Darian à Joanne du Sautoir et absent David Delorme. Donc nous avons plusieurs cas de Covid ou en tout cas de personnes qui sont comment dire, en contact. Voilà. Donc nous avons les mêmes règles qui ont été établies depuis le Covid, à savoir qu'on peut être porteur de deux procurations et que le quorum est atteint avec la moitié des membres. Simplement, cette année, pour ce conseil municipal, nous avons décidé d'ouvrir au public, donc le public peut venir nombreux assister à la séance en direct. Je vous remercie. Donc le quorum étant atteint, nous allons passer d'abord à l'adoption de l'ordre du jour. Cet ordre du jour, vous l'avez reçu. Y a-t-il des remarques sur d'autres jours? On va l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Donc, ça veut dire que chaque fois, nous sommes 14 lorsque tout le monde vote avec les procurations. Je vous remercie. L'adoption du compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2020, du 4 mars 2022. Ce compte rendu, vous l'avez tous appris par cœur. Donc, y a-t-il des remarques? Pas de remarques sur ce compte rendu. Nous allons le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Merci. Donc, avant d'examiner les budgets de la commune au assainissement et médiathèque, nous allons parler un petit peu des taux d'imposition des taxes locales, des taxes directes locales. Donc, il faudrait reprendre le petit papier vert que tout le monde avait. Voilà. C'est bon. Donc, je reprends. Alors, je rappelle aux membres du Conseil que nous avons étudié ces documents en commission, en deux étapes, et que ce soir, nous reprenons un petit peu l'essentiel des discussions qu'il y a eu en réunion de travail. Donc, on ne détaillera pas, sauf si vous souhaitez avoir des précisions. Donc, je vous rappelle comment sont calculées les taxes locales, donc c'est en rapport avec la taxe. Qui a été décidée par la commune. La taxe foncière bâtie, ce taux actuel est de 38,06%. Et sur la taxe foncière non bâtie, il est de 82,45%. Donc nous sommes posé la question de savoir si nous allions augmenter ces taux pour générer un petit peu plus de. Une somme plus importante en produits attendus. Donc, il ne nous semble pas utile pour cette année d'augmenter les taux d'imposition. Par contre, l'État, lui, a décidé d'augmenter de 3,5% la valeur locative des bâtiments. Donc, tout le monde sur sa feuille d'impôt aura une petite augmentation qui est due à l'augmentation par l'État de 3,5% et pas de la commune, sauf si on décide de l'augmenter. Donc, après un savant calcul, vous voyez un petit peu où je vous ai remis les valeurs de l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait un produit attendu de 314 710 en 2021. Et cette année, sans bouger les taux, vu que la valeur immobilière a augmenté, on peut générer 331 406 euros.
s'applique là-dessus un certain nombre de coefficients. Je vous passe les détails. Et on arrive donc à totalisation des ressources fiscales prévisionnelles, dans lequel il est tenu compte aussi de la taxe d'habitation qui est reversée en compensation par l'État. Et nous arrivons, si nous restons sur cette trajectoire, sur 366 603 euros au lieu de 347 984 euros en 2021. Voilà, donc on en a un peu débattu. On a abordé l'idée que peut-être pour dégager plus de volume sur l'investissement, on serait peut-être un jour dans la nécessité d'augmenter ces taux. Pour cette année, dans la préparation du budget qu'on a évoqué, même si on a un petit peu réduit la voilure, on pense qu'il n'est pas utile d'augmenter les impôts locaux, puisque déjà la valeur locative augmente légèrement. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur le taux d'imposition? Pas de remarques? Donc je vous propose donc de. En fait, il faut les revoter, les taux. En taxes foncières et 82,45% en taxes foncières non bâties. D'accord? Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie pour le maintien des taxes telles qu'elles étaient présentes l'année dernière. Alors, nous avons trois budgets à examiner. Je vous propose de commencer par le plus simple. On était parti à l'envers la dernière fois, mais c'est peut-être plus facile. On va commencer par celui de la médiathèque. Donc, la médiathèque, vous avez les documents. C'est assez succinct, puisque sur la médiathèque, il n'y a pas de fonction d'investissement, il n'y a que du fonctionnement. D'accord? Donc, quand vous regardez la première feuille, je reviens un petit peu à ce qu'on a fait parler la dernière fois sur ce budget 2022. Quand on regarde les dépenses de fonctionnement, l'année dernière, on était à 38 500 euros. Cette année, on serait à 39 220 euros, donc pas beaucoup d'augmentation. Et donc, on va détailler un petit peu pourquoi on maintient à peu près le même budget. On a essayé de maîtriser les dépenses encore une fois et donc de pas non plus augmenter certains postes. Donc, on est prudent sur l'électricité. Vous voyez sur le 60 612 l'année dernière. Donc, on avait réduit puisqu'on avait fait quand même un peu des économies. On avait mis 3 000 euros au budget et là, on avait dépensé 1 390 euros. Là, on va quand même proposer 3 500 euros parce que il faut tenir compte des augmentations du prix de l'électricité qui, vous savez, qui va certainement flamber dans les mois qui suivent, qui arrivent. Voilà. Donc, du coup, bon, je ne sais pas si vous voulez des précisions, mais on a essayé de maintenir à peu près les mêmes activités. Comme nous avons fait un peu moins d'activités que l'année dernière, c'est pour ça que si vous prenez la feuille numéro 3, les recettes, donc dans les recettes de fonctionnement, vous avez la dotation. L'année dernière, le budget communal avait abondé le budget de fonctionnement de la médiathèque de 34 256,10 euros. Cette année, on abondera le budget de la médiathèque que de 30 874,72 euros. Donc, une petite économie. En 2021. Donc, on sera à peu près sur le même volume. Donc, voilà, on n'a pas de, il n'y a pas de coupe budgétaire, il y a simplement un maintien. Mais comme on n'a pas tout dépensé, on réduit la part de la commune sur le fonctionnement. Et si on revient un petit peu sur le détail, j'ai oublié sur la page 2, en fait, notre poste le plus important est donc simplement la charge de personnel. Vous la voyez en bas, sur la ligne 64. Vous voyez, charge de personnel. Donc, l'année dernière, c'était 27 150. Cette année, ça sera 27 720. C'est donc la personne qui est affectée comme agent à la médiathèque. C'est son salaire, en fait, avec les charges et tout ça. Et ce n'est pas un temps complet. Voilà pour le budget de la médiathèque qui n'est pas très compliqué, hein, qui est un budget annexe.
Voilà. Et que je vous rappelle que toutes les communes n'ont pas une médiathèque avec un budget annexe. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur ce budget de la médiathèque? Pas de remarques? Hein, donc il est. Bon, je pense qu'il est. Il est honnête et il n'est pas non plus exubérant, mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir une médiathèque qui fonctionne au sein de la commune. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, de le soumettre au vote. Voilà, donc nous sommes 14 avec les procurations. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc à l'unanimité des membres présents et des procurations pour la médiathèque. On va, si vous voulez, passer au budget de l'eau. Alors, le budget de l'eau, qui est un peu plus complexe, certes, mais qui est un budget aussi annexe, et donc qui fonctionne en pleine autonomie. Voilà, donc vous avez sur la première page le récapitulatif des dépenses de fonctionnement. Hein. Première page, vous avez dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement. C'est un budget qui est à peu près... qui est sensiblement le même que celui de l'année dernière en termes de fonctionnement. Donc on a aussi maîtrisé un petit peu les dépenses. L'année dernière, à ce jour, le budget était de 357 368 euros. Et cette année, il est de 366 129 euros. Donc il y a une augmentation de 2,5%, c'est pas énorme. Et si vous regardez la petite flèche en haut que je vous ai mis, charge caractère général, c'est qu'en fait, il faut... penser à l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est pour ça qu'il y a une petite augmentation sur les dépenses de fonctionnement, on va y venir derrière. Voilà, donc si vous regardez la page 2 du coup, voilà, ben, la page 2, vous avez le détail du fonctionnement, et donc on en a parlé l'autre jour en réunion, vous voyez un petit peu les postes dans lesquels il faut être extrêmement prudent, alors on les avait nommés la dernière fois, l'électricité, parce que je vous rappelle que pour avoir de l'eau, même si on a des sources en gravité, on a aussi des pompages, puisque au niveau de Sauvas, dans les champs, on pompe l'eau, hein, d'accord. Donc après, il faut la remonter, donc il y a tout un système électrique, et puis aussi, on a la station d'épuration qui fonctionne avec l'électricité. Donc on a quand même prévu une augmentation sérieuse, hein, on passe de 13 000 euros à 19 000 euros, hein, ça fait une augmentation de 6 000 euros. Ensuite, on a le carburant, bon, même ça augmente beaucoup, mais la somme n'est pas très importante, on passe de 500 euros à 800 euros, donc c'est une augmentation de 60%, mais voilà, c'est pour les véhicules. Bon, après, bon, voilà, après, on est resté stable, sauf pour les fuites et entretiens, on a prévu un petit peu plus, on avait prévu 37 000 l'année dernière, là on prévoit 40 000. Voilà. Bon, je vous avais rappelé que le poste 62, 28 ou 26, c'est les honoraires, c'est ce qu'on paye pour faire les analyses d'eau de manière régulière. Voilà. Et puis le 63, 78, tout en bas, 28 000 euros, c'est ce que nous reversons à l'agence de l'eau, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prélève un mètre cube dans l'eau, dans le milieu naturel, on paye une taxe qu'on reverse à l'agence de l'eau qui permet de financer les projets de manière globale. Voilà. Donc c'est une somme importante, elle est sur chaque facture d'eau. Les charges de personnel, bon, voilà, charges de personnel, on a maintenu le statu quo à 40 euros près, 48 400 euros en budget, et puis cette année 48 440. Donc on n'a pas modifié, hein, et on a prévu, donc, alors là-dessus on paye un poste, un équivalent temps plein, un poste complet, hein, c'est le poste de la personne qui s'occupe du service de l'eau, plus 15% du service comptabilité, puisqu'il y a toute la comptabilité de l'eau, les factures, enfin en tout cas, tout ça. Et puis ensuite, donc, après vous avez les intérêts d'emprunt, hein, qui sont comme charge financière, sur 5 000 euros, voilà. Et puis après, vous avez des dotations, provisions à charge d'exploitation de... Je poursuis sur la deuxième. Voilà, vous avez donc ce qu'on ne trouve pas sur l'objet de la commune, c'est la dotation aux amortissements. Vous savez, le matériel, on fait les projets sur... Eric, oui. Je n'ai pas entendu. Juste une question. Oui, vas-y. Il n'est pas allumé ton micro, Jean, Eric. Si ? Si, si, vas-y, vas-y. Juste une question. Dis-moi. Sur les frais de télécommunication. Oui. Quel numéro? 62, 62. Oui.
3 000 euros au budget, réalisé 2 410. Oui. Ça comprend quoi? Alors, ça comprend tout ce qui est télécommunication entre les différents réservoirs, les cartes GSM qu'on a mis en place, etc. On a abandonné la liaison filaire parce qu'on avait, par exemple, une liaison filaire qui nous reliait le réservoir de... voilà, avec des sauffrelles, qui nous reliait le réservoir de la brousse avec le frigolet. Et on avait une ligne qui était un petit peu... enfin, qui était... ouais, voilà, qui était un petit peu dans les pins et puis qui était un peu fragilisée par le temps. Donc, du coup, on a mis en place le système radio, quoi. Et donc, les cartes GSM de partout qui communiquent. Voilà. Et avec des sauffrelles qui communiquent de partout. Donc, ça veut dire que chaque fois que ça envoie une impulsion dans un sens ou un autre, ça nous coûte, quoi. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça, nos télécoms, quoi. Voilà. Voilà, c'est... Tu as raison. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est la télécommunication entre les différents services de l'eau et de l'assainissement, ce qui fait qu'on est en permanence en contact avec la ressource et les informations sur le manque d'eau éventuel. Thierry ? Oui, tout à fait. C'était donc une petite précision également, c'est qu'en plus, ça envoie des messages sur Nadège, la responsable de l'eau, et ainsi de suite. Donc en temps réel, on est prévenu du problème. C'est ça. Alors après, donc voilà, en fonctionnement, je ne sais pas si vous avez des demandes particulières sur les détails des dépenses. Bon, c'est assez maîtrisé, hein, on essaye de ne pas non plus voilà, faire des excès. Hein, on essaye quand voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement. Puis vous avez la page d'après, la page 5, budget de l'eau. Vous avez les détails du fonctionnement des recettes. Bon, ben là, les recettes, c'est pareil, hein, c'est très simple en fait. La première partie, c'est les factures d'eau. C'est le prélèvement d'eau que nous faisons dans le milieu naturel. Nous le facturons aux abonnés. Voilà, avec une partie qu'on reverse à l'agence de l'eau. Mais en tout cas, voilà, c'est là-dessus qu'arrivent nos recettes. Essentiellement, c'est tout. On n'a pas d'autre recette que les factures d'eau. Voilà. On a eu un long débat l'autre jour qui n'apparaît pas là, c'est est-ce que tout le monde paye sa facture d'eau? Voilà, donc c'est un long débat. Ça n'apparaît pas. Est-ce que ça impacte le budget de l'eau? Alors, dans la préparation du budget, non. Mais de temps en temps, je vous rappelle, il y a une année, le personnel nous a demandé de prévoir des provisions de charges pour essayer d'épurer un certain nombre de dettes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait la croix sur tout, mais je me suis fait tirer une liste des non-paiements de factures d'eau, à part certains nombres de fait une mise en demeure avec huissier, etc. Et ils nous demandent de temps en temps d'éponger, c'est le cas de dire pour l'eau, la dette, parce que des fois elle n'est pas très élevée et que les frais d'huissier sont plus importants que la recherche. Voilà. Je suis trop près. Voilà. D'accord. Et du coup, donc, voilà, à part ça, quand même, je ne vais pas nommer en conseil municipal ni afficher dans la rue les gens qui ne payent pas l'eau, parce que quand même, c'est pas éthiquement parlant, ça ne se fait pas. Voilà, mais quand même, je crois qu'on va encore reprendre un petit peu sur le fait qu'il y a des personnes qui ont des factures d'eau qui n'ont pas été payées cette année. Alors, cette année, ça peut être un retard, on va dire. Allez, on peut admettre ça, un retard, une mauvaise distribution de la poste, puisqu'il y a eu quand même des retours de factures avec des adresses qui n'ont pas été trouvées par le facteur, pour X raisons, mauvaise adresse, ou en tout cas, voilà, bon, quelques difficultés, on va les reprendre. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des factures d'eau qui sont impayées une année, deux années, et qu'on va un peu s'y remettre et on va peut-être convoquer les gens, même si ce n'est pas du ressort du maire d'obliger les gens à payer. Mais quand même, je trouve qu'une discussion s'impose avec un certain nombre de personnes quand même pour avancer un petit peu sur le non-paiement. Et finalement, on se dit, mais oui, ben l'eau, ce n'est pas gratuit. Hein. L'eau, c'est une ressource, certes, mais si on veut équilibrer, parce que si l'année prochaine, on me demande d'éponger 50 000 euros de dette de factures non payées,
ben notre budget de l'eau, il va en prendre un sérieux coup, quoi. Donc les investissements vont aussi... Voilà. Ou alors il faut augmenter le prix de l'eau. Donc on ne va pas augmenter le prix de l'eau pour des non-paiements de factures par un certain nombre de personnes. Voilà. Donc il faut qu'on reprenne encore. Alors on a avancé un petit peu quand même hein, par rapport aux sommes qui étaient il y a quelques années. On a avancé, mais on a épongé certaines dettes aussi. C'est pour ça que ça a diminué aussi quand même. Voilà, il faut se le dire. Donc on ne va pas lâcher le morceau, quoi. Voilà. Julien voulait parler. Oui. Non, juste c'est pour voilà, les gens qui regardent. Sur les factures de rappel, alors sur la facture initiale, il y a un QR code avec lequel on peut aller payer directement au bureau de tabac. Oui. Ce QR code sur la facture initiale ne fonctionnait pas. Tout à fait. Par contre, il fonctionne sur la facture de rappel. Voilà, il y avait une histoire aussi sur la facture initiale avec l'intitulé du RIB bancaire ou quelque chose. Enfin, voilà, c'était compliqué là aussi pour payer. Alors peut-être qu'il y a de ça aussi, il y a je l'histoire sais. De la poste. Mais tu as raison, Thierry, Julien, on avait fait une mise au point un petit peu pour justement parce que ce fameux QR code ne fonctionnait pas. Il faut savoir que dans l'édition de ces factures d'eau, même si on continue à gérer l'eau, les percepteurs se sont éloignés de plus en plus de nous, hein, ils sont regroupés, et la perception génère elle-même les factures avec toutes les imprécisions. Donc il y a eu cette erreur de QR code la première fois avec, qui a embêté un certain nombre de personnes, mais par contre, sur la deuxième facture, effectivement, Julien, la méthode est bonne, donc ça remarche. Mais bon, ça peut un peu contribuer au fait que les gens disent si ça ne marche pas, je ne paye pas. On peut faire un chèque, mais bon, c'est normalement facilité par les nouveaux systèmes de paiement. Voilà. Mais bon, voilà, il y a quand même encore une marge importante à gagner sur les factures d'eau. Et on va s'y employer dès demain. Tu n'as pas ton micro. On peut aussi contrôler les adresses des gens quand la comptable est née. Pour voir si ça va partir à la bonne adresse ou pas. Voilà. Parce que si l'adresse est fausse, le percepteur, lui, derrière, il va envoyer une adresse fausse. Alors, exactement. Et en fait, on a, là, c'est un peu cavalier. On a reçu un retour, un gros paquet, je peux à peu près dire comme ça, là, d'une cinquantaine d'enveloppes. Pour mauvaise adresse, mal orthographié, etc., etc. Donc, on va les reprendre parce qu'il y a des bugs. Alors, soit le facteur ne trouve pas la boîte à lettres ou c'est mal orthographié ou le numéro n'est pas bon. Mais en tout cas, ça peut contribuer au fait du non-paiement de la facture d'eau. Et sur le résident secondaire, tout à fait. Voilà. Donc, après, voilà. Donc, après, sur les recettes au budget l'année dernière, c'était 270 080. Et cette année, on a prévu 286 198, voilà. Donc, on essaye en termes de qualité d'eau, c'est à peu près la même chose d'une année sur l'autre, même s'il y a des nouvelles maisons. Mais en fait, c'est des recettes, il vaut mieux pas trop prévoir et avoir un peu plus de recettes que d'avoir un petit peu être ambitieux sur les recettes et ne pas les avoir. Hein. Alors après, vous avez les amortissements qu'on retrouve. Hein, c'est le 79, je vous ai mis 79 931. C'est l'amortissement des subventions à l'investissement. Investissement. Bon, ça, c'est un petit résumé, mais qui est intéressant parce que ça vous balaye un petit peu toutes les opérations nécessaires sur le budget de l'eau. Donc, alors, les deux premières lignes, branchement d'eau potable et branchement d'assainissement, où on met une somme de 20 000 euros, ça correspond recettes égales dépenses, je vous l'ai dit, c'est les branchements d'eau et d'assainissement. Donc là, on équilibre comme ça, mais ça n'a pas d'impact sur le budget. On achète chaque année un petit peu les compteurs, à hauteur de 10 000 euros à peu près. On garde un petit peu d'argent aussi pour résoudre les problèmes des fuites, 12 000 euros. Sur le réservoir de la brousse, je vous ai parlé la dernière fois, en fait, on achète des terrains qu'on est en cours d'acquisition avec le service de l'eau, parce que le réservoir de la brousse, en fait, était sur des parcelles qui n'appartenaient pas à la mairie. Donc, les propriétaires nous ont fait savoir qu'ils étaient d'accord avec le prix qu'on nous avait demandé. Et donc, on le fera au prochain conseil municipal, parce qu'il faut qu'on accepte le prix qu'ils nous proposent. Bon, c'est une zone naturelle, et puis je pense qu'on a prévu suffisamment sur la ligne pour acquérir ces terrains.
Ensuite, donc là, le renouvellement AEP 5 chemins à l'ancien abattoir, c'est ce que nous avons fait cette année. Donc cette opération est finie, mais il reste encore des factures à payer et il reste aussi des subventions à payer. C'est pour ça que les subventions sont plus importantes que la somme qui reste à payer. Hein, c'est l'écart entre les deux, c'est normal parce que les subventions, certaines vont arriver après. Voilà. Donc après l'amélioration de l'eau, de la qualité de l'eau, on a prévu un projet sur à peu près 40 000 euros. C'est toujours la turbidité. On attend des subventions, donc on n'en a pas mis. Mais si on les a, ça nous fera d'autant diminuer la somme de 40 000 euros. Hein, voilà, puisque ça, c'est la somme globale. Sur le frigolet, on se lance donc dans la rénovation du réseau d'eau de la rue qu'on va dire principale, si on veut, mais en tout cas celle qui est bordée des maisons de chaque côté, dans la rue étroite. Et donc, ce projet est évalué à peu près à 132 000 euros, 732 euros, avec une aide de l'agence de l'eau à hauteur de 63 000 euros. On ne fera pas le tout à l'égout, on en a parlé, mais c'est le contexte, enfin, en tout cas la situation géographique du hameau de Frigolet ne permet pas de faire de l'assainissement collectif, puisque les maisons sont en contrebas, donc il leur faudrait une pompe de relâche, plus une deuxième, plus remonter au collecteur jusqu'à la Croix-Rouge, et je pense que c'est pas une opération qui est intéressante financièrement pour nous, mais aussi pour les habitants finalement. Parce que ça demande une réorganisation totale de leur système d'écoulement des eaux, qui est un peu complexe. Après, alors ça c'était un peu un débat qu'on a eu la dernière fois, vous rappelez, ce fameux schéma d'AEP assainissement, la somme de 97 000 euros vous a fait un petit peu tiquer, dernière fois, hein, vous rappelez, vous m'avez dit, mais quand même dépenser autant d'argent pour une étude. Donc je vous expliquais qu'en fait, on a un projet, un schéma d'assainissement et d'eau potable qui date des années 2005 à peu près, donc qui avait été fait par une entreprise de Montpellier. Et là, en gros, l'État considère que ces deux schémas sont un petit peu vieillissants et que pour avoir des subventions dans les nouveaux projets, ben, il faut remettre au goût du jour. Alors on a mis une somme, je ne dirais pas fictive, mais quand même qui est assez importante, et on est en train de faire des appels d'offres en direct avec plusieurs entreprises pour essayer d'abord d'avoir des projets un peu cohérents, peut-être pas atteindre la somme de 97 000 euros quand même. Et si vous regardez, vous voyez, on a mis une subvention éventuelle de l'agence de l'eau de 20%, qui pourrait monter à 60%. Donc du coup, ça veut dire que ben, l'un dans l'autre, on ne devrait peut-être pas atteindre les 97 000 euros, mais en tout cas, peut-être qu'on augmenterait la part de l'agence de l'eau parce qu'il nous finance bien ce type d'études. Voilà. Alors ça nous permettra d'avoir un réseau d'assainissement, enfin en tout cas un schéma, une réflexion globale sur le schéma d'assainissement, mais aussi une réflexion globale sur l'eau, comment les distribuer, comment est le réseau, est-ce qu'on a des pertes d'eau sur le réseau, enfin voilà, tout ça. Et avec des études très précises sur notre capacité aussi à avoir de l'eau sur plusieurs années, sur 30 ans. Voilà, après une petite étude sur hydrologique sur Sauvas, à peu près sur 1500 euros, on va travailler avec ABC, le syndicat de rivières, pour avoir un petit peu une connaissance meilleure de la rivière souterraine, un peu l'influence de la température de la grotte sur le débit, enfin voilà, donc c'est un petit projet, mais c'est intéressant pour nous de mieux connaître le système hydrologique de ce qui se passe sous Sauvas finalement, parce que cette ressource en eau, pour nous, je vous rappelle qu'elle est primordiale, parce que on ne peut pas passer l'été uniquement avec la source de Pascal Régis et les sources du Chamval, puisque l'été ça suffit pas, et donc ce forage permet de retrouver l'équilibre sur la période de à peu près 4 ou 5 mois. Voilà. Et puis, les portes du forage de Sauvas, bon, il faut les changer parce qu'elles sont un petit peu obsolètes. Puis après, vous avez les amortissements. Bon, voilà, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois sur la dotation d'amortissement. Voilà sur l'eau. Alors, est-ce qu'on est mieux que l'année dernière? Oui, on est mieux que l'année dernière parce que je vous rappelle que l'année dernière, on avait augmenté les abonnements de l'eau, hein, vous vous rappelez, abonnement de l'eau et abonnement de l'assainissement. Et quand vous revenez sur la première page, juste sur la première page, vous avez sur la première page, dans les recettes de fonctionnement, on avait un excédent de fonctionnement reporté de 0, je vais y arriver, au compte 002. L'année dernière, on avait reporté 14
0,97,79 €. Cette année, on a reporté 20 367 €. Donc, on a tout reporté l'excédent de fonctionnement dans le fonctionnement. On pourrait encore mieux faire, mais on n'a pas pris... Et puis surtout, pour le faire fonctionner tel que ça peut être avec des subventions éventuelles. Voilà. Donc, sur le service de l'eau, moi, j'estime que ça va. Ça serait encore mieux si tout le monde payait son eau. Voilà. Après, on a eu un débat, vous savez, sur le transfert de la compétence eau pour 2026. Bon, vous savez notre opposition de notre commune. Bon, on en redébattra, mais voilà, vous savez que c'est un peu compliqué de vouloir garder en régie l'eau. Et les nouvelles lois qui s'annoncent ne nous laissent pas pour l'instant trop de possibilités, mais rien n'est perdu. Voilà. Parce que nous avons un écart significatif de nos abonnements d'eau et d'assainissement, et du prix du mètre cube d'eau et du prix du mètre cube assainie, qui est quand même totalement différent de certains syndicats qui nous entourent. Et que si on intègre ces syndicats, ben notre prix de l'eau sera nivelé par le haut par rapport à ce syndicat. Hein, ça paraît évident. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Puis je regardais un petit peu les emprunts que nous avons sur le service de l'eau, donc ils vont tous s'éteindre, c'est marrant quand même, parce que si ça, ils vont tous s'éteindre au moment de la transfert de la compétence. C'est-à-dire que si on transfère l'eau à un comité de communes ou à un syndicat, quand je regarde sur l'eau, les crédits s'arrêtent 2023, 2028, 2027, 2026. Il n'y en a qu'un de 80 000 euros de 2033. Pour 2033, mais les autres s'arrêtent tous quand même. Donc voilà, j'estime que pour l'instant, on n'a pas besoin d'augmenter le prix de l'eau. On verra bien l'excédent de fonctionnement qu'on dégage l'année prochaine. Hein. Et puis pour les opérations qu'on a prévues, on a prévu ce qu'il fallait, quoi. On n'a pas emprunté. Mais voilà, je trouve que c'est un bel équilibre sur une commune de 980 habitants. Et que je vois l'utilité de transférer la compétence eau. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques? Voilà, on va en rester là pour l'eau, si vous êtes d'accord. Bon, on va donc le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité pour l'eau. Alors on va passer au dernier, au plus important. Budget de la commune, donc on prend un petit peu le même principe, si vous voulez. En gros, je vous rappelle que notre situation... Alors c'est vrai que Jean-Luc nous a fait un lissage sur un certain nombre d'années, sur 15 ans, sur notre capacité d'autofinancement, etc. Et c'est vrai que quand on la lisse sur le temps, c'est pas la même chose que de la regarder que sur l'instant T. Voilà. Parce que pourquoi... Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé du rapport de l'agent, du percepteur, hein, sur notre capacité, le ratio de désendettement. Cette année, il est de 4,78, c'est-à-dire qu'il faudrait 4,78 années pour se désendetter. Hein. Si tu me dis si je me trompe, Jean-Luc, c'est ça. Mais c'est une année. Hein. Sauf que l'année dernière, il était à 17. Donc 17, pourquoi on en a parlé, vous vous rappelez, parce que l'année dernière, on n'a pas emprunté. On n'a rien fait de spécial. On a géré un petit peu tout ce qu'on avait à gérer, mais quand même, on a pris un peu, en 2020, un peu les restes du mandat précédent dans lesquels on avait des choses qu'on n'avait pas payées. J'en suis aussi responsable parce que j'y étais. Mais de 17 passé à 4,78, il y a une grosse différence. Mais quand on regarde quand même sur de 2016 à 2021, c'est vrai qu'on est passé par des caps de 4, de 8, mais on est passé aussi par un cap de 11, de 7,6. Donc finalement, ça se lisse dans le bon sens, mais voilà, on n'est pas non plus dans l'excès complet de se dire au fond, on peut y aller, etc., etc. Donc, prudence. Voilà, prudence. Alors, si on se resitue un petit peu dans le contexte sur ce qu'on avait dit au conseil municipal de la dernière fois, où on avait fait les comptes administratifs, on avait tenté un petit peu de faire un débat d'orientation budgétaire où on avait mis sur la table tous les projets. On avait tout mis. Voilà. Tous les projets, on s'est lâché, on a dit qu'est-ce qu'on a envie de faire sur les années futures, etc. Donc,
sur les projets, du coup, on a essayé, dans un premier temps, de tout mettre. Voilà, avec notre excédent de fonctionnement qu'on porte en investissement, on a essayé de tout mettre. Et puis, on s'est dit que ça ne rentrait pas dans la boîte, mais qu'il fallait peut-être un petit peu emprunter. Donc, du coup, on a eu un débat la dernière fois là-dessus. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on subventionne, qu'est-ce sur lequel on prend des emprunts. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Faire autour de la table, mais je pense qu'on a trouvé un compromis entre ce qu'on peut enclencher, ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'on pourra faire. Voilà. Alors, si vous, on a un peu hiérarchisé. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on regarde un petit peu le fonctionnement, c'est la première page d'abord. Ben là, c'est pareil que le budget de l'eau, sauf que c'est encore plus prégnant. C'est que on a quand même des postes budgétaires dans lesquels on ne pensait pas qu'il fallait investir autant. Voilà. Si on n'avait pas eu c'est les deux premières lignes, quand vous regardez là, sur la première page, achat, variation de stock, quand vous regardez l'augmentation, on fait un plus 23 000 et plus un 15 000 sur deux lignes, en fait, eh ben, c'est tout ce qu'on paye en électricité et en fuel, tout ce qu'on prévoit comme augmentation. Donc du coup, ben voilà, ça nous limite notre excédent de fonctionnement parce qu'il faut le prévoir. Voilà. Et quand vous regardez le total des dépenses de fonctionnement soit juste en dessous du bleu, en dessous, vous voyez là, en fait, on a un budget de fonctionnement qui augmente de 50 000 euros. Mais en fait, il augmente essentiellement parce qu'on prévoit des dépenses énergétiques plus importantes, en fait. C'est notre problème. Hein. Voilà. Vous remarquez qu'on a laissé une dépense imprévue de 40 000 euros, 44 000 euros. Ça, c'est cette somme qui est en jaune en jaune sur votre document. C'est celle qu'on bloque un peu, qu'on essaye de ne pas dépenser quand même, parce que c'est ce qui nous permet de se dire, au fond, on aura peut-être un excédent de fonctionnement, donc on est toujours prudent. On n'y tire pas trop dessus. Cette année, on n'a pas dépensé un centime dessus. On a reporté la somme complète. En bleu, c'est ce que l'année dernière, vous voyez, en 89 000, c'est ce qu'on a pris du fonctionnement pour mettre en investissement, 89 000, et là, on a pris 92 000. J'espérais qu'on puisse prendre un plus, pour ne pas avoir faire trop d'emprunt. Mais bon, vu la conjoncture avec la dépense d'énergie, ben on ne peut pas prendre plus. Parce qu'il faut être prudent sur notre bilan de l'année du compte administratif de 2022. Voilà. Et vous voyez, parce que finalement, heureusement qu'on a fait un excédent de fonctionnement un peu plus important cette année quand même. Hein, parce que vous voyez en dessous, l'année dernière, on avait dégagé 132 000. OK, on s'était dit, ben, ouais, c'est pas terrible quand même. Et puis cette année, on a serré un peu les boulons partout et on a dégagé 190 000. Voilà. Mais il faut aller encore plus loin, quoi, parce que c'est pas encore suffisant. Mais on est dans la bonne voie, puisque le comptable, lui, sur l'année donnée, il trouve que notre situation est ponctuelle. C'est chaque année, la CAF, elle est remise en cause par ce qu'on fait dans l'année d'avant. Hein. Forcément, c'est pas non plus linéaire. Voilà, c'est pas stable. Ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Alors, page 2, du coup, page 3, pardon. Ben voilà, vous voyez les fameux postes là qui nous empoisonnent un peu la vie. C'est-à-dire que si le climat venait un petit peu plus chaud, c'est sûr qu'on n'aurait pas de dépenses énergétiques. Au fond, le réchauffement climatique pourrait nous sauver la vie. Pas vraiment. Et alors, donc, vous avez augmentation de l'électricité, du fuel, du carburant. Ben, vous les voyez, ces lignes, elles explosent en plein vol, en fait. Voilà. Voilà, c'est les dépenses. Voilà, de 30 000, on passe à 44 000. De 8 000, on passe à 14 000. De 2 500, on passe à 4 000. Prévoit. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas sûr, mais bon. Après, vous avez le détail. On avait parlé la dernière fois. Vous avez un peu tous les postes. Je vous ai mis des petites annotations sur le côté de ce que ça nous coûte. Voilà, là-dessus, bon, on a essayé aussi de ne pas non plus faire exploser tout ça. Hein, c'est pour essayer de rester vraiment cohérent. Et puis après, vous avez la page 4. Ben là, vous avez tout ce qui est charge personnelle. Vous voyez ? Charge de personnel. Donc du coup, on en a parlé longuement. On s'est dit, au fond, alors on a prévu... J'espère que les employés communaux écoutent. On a prévu l'augmentation du point d'indice de 3%, puisqu'il y a eu des annonces gouvernementales qui ont dit
qu'à partir du mois de juin, il y aurait des augmentations de salaire. Voilà, donc on l'a prévu. Si ça ne se fait pas, ben, ça sera autant de ne pas dépenser, mais si ça se fait, ça sera dépensé. Voilà, et donc, voilà les trois lignes qui augmentent et qui descendent, c'est à peu près ça, hein, la cotisation de l'URSSAF. Voilà. Alors, on avait également abordé l'autre jour, est-ce que notre masse salariale est dans la norme ou pas par rapport à notre strate ? Donc, non, nous sommes en dessus. C'est-à-dire que quand on fait un ratio entre le nombre d'agents des différents services et notre strate dans laquelle se situe notre commune, c'est-à-dire que nous, strate 1000 habitants, zone rurale, parce qu'il faut tout recadrer, parce qu'il faut que ça soit, ça dépend si c'est en zone rurale, on est en dessus. Voilà. Alors, après, c'est vrai que dans le. Il est certain que des fois, une commune de 1000 habitants comme la nôtre peut ne pas avoir de médiathèque, peut ne pas avoir d'école, hein, parce que l'école, vous ajoutez les ATSEM, le ménage des écoles, ça douille, hein, voilà. Peut ne pas avoir de garderie du matin ou de garderie du soir. Le point info qu'on anime l'été, bon, voilà. Donc, et la médiathèque, j'ai oublié la médiathèque. Quand vous rajoutez tout ça, on a un peu l'explication de pourquoi on est en dessus de la strate. Non, mais tendu, c'est surtout par rapport au service que tu produis. C'est-à-dire que si tu n'as pas le service, ben tu peux tout réduire, hein. Voilà, donc. Non, mais je ne parle pas des gens de service technique. Moi, je parle l'école, je parle la médiathèque. Oui, oh, tu as raison, on est servi une commune étendue. Mais en emploi définitif au service technique, on n'est pas autant que ça. On a pris des agents en complément parce qu'il y avait des décharges, etc., etc. Mais quand tu le ramènes au vrai poste, ce n'est pas forcément là-dessus où on est un peu plus annexé. C'est plutôt sur l'administratif, sur les écoles, sur des choses comme ça. Voilà. Alors, la question, c'est vers quoi on va tendre dans les années futures ? Ben, on verra un petit peu. Hein. On verra un petit peu sur en fonction des départs à la retraite, des choses comme ça, si on peut réduire notre masse salariale sans mettre en péril les services que l'on rend à la population. Parce que nous sommes en zone rurale et on se doit quand même d'avoir un certain nombre de services. Voilà, je ne sais pas si j'ai résumé un peu notre débat de la dernière fois sur les charges salariales. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Hein, voilà. Quand on n'a pas d'école, qu'on paye la scolarité dans le village à côté, voilà, nous avons estimé que la charge pour un enfant qui vient d'un village dans lequel il n'y a pas d'école, donc on demande 1000 euros par enfant, par an. Je pense que c'est bien en deçà de ce que coûte pour une commune l'équivalent. Voilà, c'est bon. En tout cas, on a l'école. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le détail et un peu les explications sur pourquoi, finalement, on est un petit peu trop élevé dans la masse salariale. Voilà, et après, page 5, vous avez, ben donc là, vous avez les charges, donc vous avez la somme de 30 000 euros, c'est celle qu'on donne à la médiathèque. Voilà. Ouais, charge à caractère administratif, 30 000 au lieu de 34 000. Voilà. Et puis après, vous avez des dépenses pour ordre. Donc ça, c'est le fameux prélèvement qu'on a fait sur le budget en fonctionnement de 89 000 l'année dernière. Et là, on passe à 92 000. Et la somme qu'on donne au CCAS, je ne la vois pas, elle est où ? À la page 4. D'accord, ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. J'ai pas entendu, Eric. C'est quoi les titres annulés 67.3 C'est des choses que des fois qu'on annule parce que on fait une facture et on faut la rembourser ou trop perçu ou choses comme ça. Donc du coup, c'est la seule ligne où on peut faire des allers-retours sur les factures, en fait. Voilà. Voilà, donc je continue. Alors, je continue. Sur les recettes de fonctionnement, ben là, les recettes de fonctionnement, page 6, bon, c'est un peu cadré, hein, c'est ce que nous avons voté tout à l'heure. On retrouve un petit peu les loyers en bas. Donc, les loyers revenus des immeubles, c'est nos locations, comme la poste, comme l'ancienne poste.
et les écoles, en dessous des écoles, c'est essentiel, et l'ancienne école. Voilà. Voilà. On a une. Ça, c'est les recettes de fonctionnement. Il y a pas, c'est assez cadré. Et l'athlète, c'est le 73-212. C'est ce que nous reverse la communauté de communes en termes de compensation, parce que lorsqu'il y a eu le transfert des compétences, cette somme a été arrêtée de manière définitive. Et c'est ce que nous percevons en compensation. Ne m'en embêtez pas plus, parce que des fois, je perds un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est une recette. On ne t'entend pas, Joanne. Sans micro. Titres annulés sont annulés par les mandats annulés. C'est un équilibre. Oui, tu recettes et en dépenses, tout à fait. Voilà. Avec, c'est nominatif, mais vous avez la même chose, je trouve qu'il est mieux le dernier document, je ne sais pas si comme vous voulez, c'est celui que vous savez qu'on prend dans l'autre sens, qui reprend exactement pareil en fait. Voilà. Le dernier là, dernière feuille, alors là vous avez tout en fait, en gros, voilà, la dernière feuille. Donc vous avez l'opération sur la forêt communale. Donc vous savez que chaque année on fait des opérations sur la forêt communale, d'entretien, de coupe, etc. On aurait une dépense estimative de 7000 euros, mais en subvention c'est 1600 euros. Donc il y a un petit delta, c'est sur le fonds, c'est notre investissement sur nos fonds propres. La salle des fêtes, là c'est le gros morceau cette année. Donc c'est quand même 398 000 euros de dépenses. Voilà, et là-dessus, nous arrivons à un taux de participation des collectivités du département. Si tout va bien, on sera à 80%. Mais sur cette opération, il nous faut faire un emprunt de 110 000 euros, qu'on avait prévu l'année dernière, qu'on a décalé puisqu'on n'a pas fait les travaux. Le cimetière, bon là c'est pareil, on est toujours dans... retenir les concessions, de les renouveler. Bon, voilà, on la laisse cette somme-là. Le 115, la voirie, aménagement, c'est la fameuse opération derrière le cimetière dans lequel on pourrait viabiliser des terrains, mais ça, c'est les propriétaires qui payent, en fait. Donc, l'opération ne coûte rien, hein, parce que c'est eux qui payent les extensions électriques, éventuellement l'eau, voilà, tout ça. La modernisation de l'éclairage public, c'est la somme que nous donnons chaque année au SDE, syndicat départemental de l'énergie, à hauteur de 7 834 euros, pour avoir changé toutes les ampoules de la commune, les avoir mis en LED, et avec une diminution de l'intensité pendant une période de la nuit. Donc, il faudra quand même qu'on fasse quelques bilans, quand même. Donc, on a vérifié que ça baisse bien la nuit, puisque quand vous y allez vers 2 heures du matin, vous n'avez pas la même luminosité. Donc, il faudra qu'on fasse un bilan des courses en fin d'année pour savoir si ce poste électricité, éclairage public, où on l'a maîtrisé, c'est-à-dire que le fait de passer en LED nous a permis de ne pas faire exploser les coûts, ce qui serait bien, voilà, et à suivre, quoi, à suivre. Mais enfin, en tout cas, l'idée, c'est de baisser la lumière. Bon, après, on pourra peut-être éventuellement, pour des quartiers qui le souhaiteraient, éteindre complètement une partie de la nuit. Hein. Pourquoi pas ? Mais bon, je sais très bien que c'est un vaste débat et que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, je crois que dans un premier temps, le fait de baisser contente tout le monde. Voilà, hein, et que c'est bien de l'avoir fait d'un seul coup. On verra la suite. Le cœur de village, donc vous savez, sur le projet qu'on a mené avec Olivia, donc il nous reste un petit peu d'argent, 3 000 et quelques euros. C'est là-dessus qu'on engagera le relevé topo de la glace, de la gare, pardon, d'un bout à l'autre, puisqu'on n'a pas vraiment de relevé topo. Qu'est-ce qu'un relevé topo ? C'est tout. Où passe l'électricité, où passe l'eau, où passe l'assainissement, où passe tout ce qu'on peut imaginer, les niveaux, pour arriver à ce qu'on puisse, lorsqu'on fera des travaux, avoir une base raisonnable pour tout faire.
signalétique communication patrimoine sur la 121, donc on reporte la somme de 18 600 euros, mais sur cette somme de 18 600 euros, on a quand même à payer la signalétique que nous avons fait dans le centre du village, vous savez, pour signaler les commerces, donc c'est une somme, je n'ai pas entendu Jean-Luc, et les services, les commerces et les services, à hauteur de 6 570 euros, donc ça il faut qu'on le paye. Il faut qu'on voit avec Jean-Luc qu'est-ce qu'on peut poursuivre à signaler dans le village, parce qu'on n'a pas fini. Et je pense qu'au niveau des 5 chemins, il y a peut-être encore à revoir. Enfin, il y a quand même des choses à voir. Donc, on s'est gardé une somme. Et puis, 6 000 euros pour le patrimoine, là-dedans, peut-être des panneaux pour signaler le patrimoine industriel en venant de la voie douce. Et puis, peut-être le fameux achat de ce wagon. Alors, j'ai négocié. J'espère que le monsieur n'entend pas. Il doit être du côté de Nîmes. Donc, j'ai proposé 1 500 euros, ce n'était pas assez. Donc, j'ai dit, écoutez, notre dernier prix sera 2 000 euros. Et puis, c'est oui ou si c'est non. Et puis, on restera là, quoi. Et je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus. Parce qu'il y a le transport. Donc, les amis de Bannes se chargeraient du transport. Et que, voilà. Alors, après, c'est le problème, c'est le temps. Parce que 16 Cévennes, ils avancent rapidement. Et des travaux, vous savez que l'endroit où, juste après, on a inauguré la ligne droite, là, ils vont commencer au mois d'avril-mai, quoi. Donc, une fois que ça sera fini, on ne pourra plus passer le wagon. Donc, il faut que ça se concrétise dans les mois qui arrivent, quoi, rapidement. Après, une fois qu'il sera là, ben, on peut le déplacer peut-être, mais en tout cas, pour le transporter, voilà, donc, faut attendre. Voilà, ils ont la balle est dans leur camp, faut attendre. Ensuite, alors, sécurisation, passage des mineurs autour de la repositionnement des containers poubelles. Bon, c'est vrai que vous avez trouvé que la somme était un peu importante sur ce projet-là. On peut peut-être revoir avec Olivia que sur sa mission, elle soit un peu plus large que ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle réfléchisse un peu aux aménagements autour de la lampisterie, autour de l'ancienne gare. Vous voyez, un petit peu que nous aménage ça, enfin, qu'elle réfléchisse à comment on pourrait circuler autour de cet espace-là. Je trouve que, vous savez, la barrière verte qui est posée au niveau du local, là, peut-être que ça mériterait qu'on réfléchisse un peu si c'est au bon endroit, quoi. Bon, voilà. Alors après, sur l'opération 125, 2000 euros, c'est l'idée de réfléchir à la construction ou à l'extension d'un bâtiment qui serait en lien avec le médical ou le paramédical autour de la pharmacie. En tout cas, comment on pourrait améliorer ce qui existe déjà au niveau du local du médecin et de voir comment, on ne parle pas de qui finance quoi, on parle de qu'il y avait toute une activité qui s'était créée autour de la pharmacie, autour du médecin. Et je vous rappelle que le docteur Faubry est le président, je ne sais plus si on dit président, oui, président de la CTPS, je crois que c'est ça. Voilà, donc il a un lien avec les Vans. Et on a bien compris que les Vans admettaient bien l'idée que Saint-Paul devait jouer une place importante dans le réseau médical qui peut se mettre en place. Voilà. Tout ne peut pas aller aux Vans, mais nous, on a notre rôle à jouer. Alors, quel rôle on jouera, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on doit réfléchir sur quel bâtiment on peut faire monter au niveau de la pharmacie. Donc, j'ai aucune idée. Où on le place, on a bien vu que sur le plan d'Olivia, il était plutôt devant la pharmacie, puisqu'on a quand même une grande rue un peu extra-large, vous savez, entre la grille agricole et le boucher qui est un petit peu, on dirait Champs-Élysées avec 4 ou 5 voies, des fois on ne sait pas où on passe. Et donc du coup, il y a matière un petit peu à creuser ça. Voilà. Ça veut dire que pour les tennis, pour l'instant, il n'y a pas urgence de déplacer, puisqu'il faut qu'on arrive à positionner ce bâtiment qui nous paraît une priorité pour ce pôle médical sur plusieurs années. Voilà. Alors on a mis une petite somme. Voilà, c'est vrai. Mais bon, moi, personnellement, si on arrivait faire sortir de terre, en tout cas sur un papier, quelque chose qui nous permettrait de dire, ben voilà, sur les 3-4 années à venir, le pôle médical pourrait être comme ça, je pense qu'on préserve un petit peu l'avenir. Voilà.
Sur le tennis, le 126, étude de tennis vestiaire au niveau du stade. Ça a été un de nos débats, vous rappelez, la dernière fois, sur le montant global de l'étude qui était élevé à peu près à 45 000 euros. Bon, on s'est posé la question, hein, plusieurs d'entre vous se dire au fond, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ce projet immédiatement? Est-ce qu'il faut prévoir cette année 45 000 euros pour sortir de terre un APS, un APD pour vraiment le financer l'année après? On a revu un peu notre position parce qu'on s'est dit au fond, il faut faire une esquisse en fait. Donc on peut aller jusqu'à l'esquisse de ce que pourrait être ce bâtiment là-haut. Et du coup, on est sur une somme un peu moins importante, pour l'instant de 38 040 euros. Et, oui, 3840 euros, c'est ça? Voilà. En hauteur subventionnée à peu près à 60%. Bon, on n'a pas de réponse pour l'instant, mais ça serait un petit peu ça. Du coup, ça nous fait un peu économiser quand même. Et on se projette, mais pas autant rapidement que ce qu'on avait vu. Mais parce qu'il faut faire des choix et que ben, les choix, il faut les faire. Et on voilà, on n'a pas trop d'autres possibilités. Après, sur l'aménagement de l'aire de service et l'aire de repos. Je vous rappelle que dans une première étape, on avait pensé qu'on pouvait faire les deux, c'est-à-dire à la fois l'aire de service, déplacer l'aire de service qui est derrière le vétérinaire, qui est devenu, il faut le dire, un petit peu obsolète et dépassé. Voilà, puisque les gens peuvent utiliser des jetons sans rien payer carrément. Donc du coup, ça devient un petit peu un libre service. Et puis bon, voilà, c'est peut-être plus le bon endroit, c'est ce qu'on avait dit. Hein, et que, donc, il y avait deux phases. Il y avait la phase, on déplace l'aire de service. Voilà, première étape, c'est Cathy qui s'en est occupée. Et en même temps, on essaye de voir si au niveau de l'entrée de la voie douce, il n'y a pas possibilité de faire, on pourrait dire une aire de repos, en tout cas, ou quelque chose d'un peu plus structuré qui permettrait aux gens de rester plus longtemps. Voilà, quand on avait chiffré les deux, on était sur à peu près 90 000 euros parce qu'il y a la prestation pour mettre en place le camping-car, mais il y a aussi toute l'ingénierie derrière sur l'électricité, sur les réseaux, sur tout ça, ça y est pas en fait. Il faut le rajouter, c'est-à-dire que brut, c'est un prix, mais quand on a rajouté tous les aménagements, les VRD, comme on dit, ça coûte. Alors, ça a été un de nos débats là-dessus. Thierry, oui, vas-y. De préciser que pour l'aire de camping-car, c'est pas une aire de libre service, c'est une aire qui est fermée, qui est payante, et ce qui limite les accès. La deuxième, oui, c'est oui, ça. Oui, oui, non, oui. Quand tu parles de la deuxième, tu as juste dit une aire ah, oui, où oui. On aurait fait une aire de camping-car, mais, ah, oui, mais c'est pas une aire comme elle est là actuellement, non. À Saint-Paul, à la sortie de la voie douce, où n'importe qui vient garer son camping-car ou vient voilà. Se mettre de passage. C'est encore autre chose. Voilà. C'est un service payant. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre philosophie sur le fait. Là, c'était un peu parking derrière le repère. Là, ça deviendrait une aire dans laquelle on a un service, donc on le paye. Voilà. Donc, ça a été dans nos débats. Cathy donc a rencontré une personne qui donc c'est son métier. Il peut y avoir un retour sur investissement dessus. Voilà, c'est un peu l'idée. Cathy défend cette idée. On n'est pas forcément tous d'accord dessus sur le retour sur investissement, mais il y a quand même cette idée à creuser de se dire au fond, on donne une prestation de qualité, donc du coup les gens vont y aller. Ouais, c'était un peu ça. Alors, dans notre budget, tout ne passe pas, parce qu'il a fallu un peu arbitrer. Donc, on serait uniquement sur la dépense d'environ hein, 32 000 euros avec 19 000 euros de subvention pour faire l'aire de service. Ça serait la première étape pour cette année, si on y arrive. Voilà. Étant entendu que là, pour on est sur une subvention je ne sais plus que j'ai calculé, mais pourrait peut-être augmenter si la région s'y mettait dedans, etc., etc. Donc ça, c'est la version de base. Voilà. Et ça nous permettrait de dégager cette aire de service qui est derrière le côté de repère. La borne. Ben, c'est une aire de service. Une aire de service, c'est là où on stationne les camping-cars. Mais la borne de service, c'est l'aire de repos. Ben là, voilà. C'est une aire de service. L'aire de repos. Mais la borne de service, non, mais je parle pas on de, peut c'est... la changer de place. Non, mais c'est une aire de service. Oui. Voilà, la borne de service, on va la déplacer. Une borne de service. Non, mais la borne, elle est dans un tout. Il y a une borne de service. Voilà.
ça serait payant avec une carte bleue, avec un système un peu plus sophistiqué. Est-ce qu'on est d'accord sur les termes? Alors, nous reprenons. Il y a deux concepts. Il y a l'aire de service et l'aire de repos. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça? C'est ça à peu près? Ah bon? Non, mais bon. Bon, ne soyons pas bornés, on va la déplacer, un point, c'est tout. Voilà. De service. Non? Non, c'est une aire de repos. Parce que si c'était une aire de service, tu aurais pour vitager et dépoter ton capital. Eh oui. Tu ne l'as pas à tenir. Il y a zéro service. Bon, alors c'est un détail, mais en tout cas, ce qui veut dire que la borne. Voilà. Bon. En tout cas, on serait sur la première prestation. C'est-à-dire que je peux vider mes eaux usées, je peux faire mon plein d'eau et je peux charger ma batterie et faire toutes mes vidanges. C'est ça. Voilà. Aire de service. Donc, l'aire de jeu. Donc, l'aire de jeu, on sait que cette aire de jeu est un petit peu obsolète. Les jeux sont abîmés. Il en manque un. Donc, on est parti sur l'idée qu'on pouvait budgéter une dépense d'environ 24 000 euros, puisqu'on espère une subvention d'environ 15 000 euros de la région, parce que ces jeux correspondraient à des critères bien précis de la région. Thierry. Oui, pour avoir la subvention de 15 000 euros, en fait, il faut que les jeux soient accessibles aux handicapés. Voilà, c'est pour ça qu'on a une subvention de 15 000 euros. Voilà. Donc, du coup, je continue. Alors, l'aménagement de du carrefour RD 104, RD 351, cette somme qu'on avait déjà votée, vous rappelez, c'était 5 000 euros hors taxes, et ça correspondait à l'aménagement des champs, donc au carrefour du Grand Châtaignier là-bas. Hein, d'accord ? Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, cette somme, en fait, on ne l'a pas payée, mais ils ont quasiment fini les travaux, ils vont nous en reparler dans pas longtemps. Ensuite, donc, il y a la fameuse l'assistance de maîtrise d'ouvrage du SDEA à hauteur de 7 900 euros pour la rue Gaston-Roussel. Vous vous rappelez que la dernière fois, on n'a pas voté, puisque vous m'avez dit, mais attends, tu nous prévois une somme de 270 000 euros hors taxes pour la traversée, et qui paye la départementale. Donc, du coup, je les ai appelés, je leur ai demandé, mais quelle est à quelle hauteur le département prévoit les travaux de la départementale. Donc, j'ai la réponse. Sur ces 270 000 euros hors taxes, alors c'est approximatif, il y aurait 90 000 euros hors taxes de voirie prise en charge par le conseil départemental. D'accord ? C'est plus la même somme. Donc, la maîtrise d'œuvre, vous allez me dire, mais pourquoi 7 900 euros ne baisse pas parce qu'il n'y a que 180 000 euros de travaux ? On pourrait dire ça, il y a un prorata qui diminue. Donc, je les ai eu au téléphone, j'ai dit, mais vous ne baissez pas la maîtrise d'œuvre. Ils m'ont dit, en fait, on vous reversera le différentiel de la maîtrise d'œuvre qu'on a fait pour les 90 000 euros, on vous la reversera sur les 7 900 euros. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, la maîtrise d'œuvre, elle est globale. Et puis après, sur la partie qui sera sur la voirie, ça sera rétrocédé en termes de finances. Ça veut dire que ça devrait nous coûter à peu près, au de 7 900 euros, ça devrait nous coûter dans les 6 000, quelque chose comme ça, voire 5 500. Voilà l'explication que j'ai eue. Je ne sais pas si ça vous satisfait, en tout cas. Par rapport à la dernière fois, il y a la prise en charge de la route départementale d'un côté. Travaux, voirie communale. Donc là, c'est là où vous savez qu'on a une facture à payer, puisqu'on en a payé une partie l'année dernière, et que les travaux, donc, ben, il nous reste à payer cette somme-là. Donc, pour payer cette somme-là, ben, il faudrait qu'on emprunte 32 000 euros. Achat de matériel, ça, c'est du matériel qu'on prévoit chaque année, des broussailleuses, petits portatifs, voilà, OK. Et travaux bâtiments communaux, on a prévu une somme de 13 000 euros, mais en sachant que déjà, on a dépensé un petit peu d'argent quand même, puisque on a fait des travaux en 2021, presque en 2020, et qu'on a payé une porte de 3 500 euros, dans laquelle on voulait faire une châtière, mais on n'a pas pu la faire. La ferronnerie de l'escalier de l'école, vous vous rappelez, puisque c'était une demande de la part des agents de la restauration, qui trouvaient que le petit escalier qui permettait d'aller à la cantine n'était pas,
était un petit peu casse-gueule, c'est vrai. Donc on a fait la plateforme, on l'a fait nous-mêmes en fait. On avait budgété l'année dernière, vous vous rappelez, j'avais signé un devis, puis finalement ça ne s'est pas fait. Et donc on a eu que le ferronnier qui nous a fait toute la partie ferronnerie, bon, pour hauteur de 1000 euros. Et ça a été vite fait et bien fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas mal fait. Après, on a 3 appartements. Donc, alors peut-être qu'on ne fera pas tout d'un seul coup, hein, mais en tout cas, on a budgété. L'idée qu'on a 3 appartements à l'ancienne école, vous savez, quand on passe la route de Bannes, l'ancienne école, on a 3 appartements. Et donc, en termes de millions électriques, ça nécessite des travaux quand même. Voilà, donc on a budgété une première fois 1732 et l'appartement 2 et 3, 3200 euros. Soit au total, sur les 13 000 euros, on dépenserait 9500 euros. Ça veut dire qu'on ne dépensera pas le reste, mais comme on a dit qu'on essayait de ne pas aller jusqu'au bout de toutes les sommes qu'on met, on en serait là. Voilà. Donc du coup, on en est à peu près à la fin du budget. Donc ça veut dire qu'on emprunterait à peu près entre 110 000 plus 30 000, 140 000 euros, on va dire 150 000 euros. La question pour nous, c'est est-ce qu'on peut les emprunter? Bon, je pense que oui. Je vous rappelle qu'on a, enfin, l'autre jour on l'a évoqué, mais la salle des fêtes est quand même un élément important à réaliser, et que si on le réalisait cette année, ça veut dire que si on arrivait à réaliser tout ce qu'on a prévu dans le budget, on aurait la rénovation de la salle des fêtes, l'aire de service du camping-car et les jeux pour enfants. Et puis le reste qui est tout autour de ça. Donc pour une année, c'est pas si mal que ça, à condition que les subventions soient toutes au rendez-vous, bien évidemment. Voilà. Donc on a été resté la dernière fois dans nos débats. Alors après, ça, c'est sûr que si on fait cet emprunt, ça augmentera notre, ça diminuera notre capacité d'autofinancement. Mais en face, il y a des choses qui, s'il y a de l'investissement, ça s'explique. Si on diminue notre capacité d'autofinancement et qu'on ne fait pas de projet, voilà, c'est un petit peu gênant. Là, on fait des projets. Bon, ça se tient, il me semble. Alors, on ne vous cache pas qu'on a essayé de revoir un petit peu avec les banques les crédits actuels. Il y en a qui sont à 1,38%, on aura du mal à négocier quand même. 1,38, c'est un peu comme c'est difficile de baisser 1,38 actuellement. On les a contactés. Bon, ça n'a pas été de leur part un envie irrésistible de nous baisser les taux, on va dire comme ça. Mais bon, on va peut-être mettre dans la balance le fait qu'on a un nouveau emprunt à faire dans lequel les taux actuels sont bas. Mais pas si bas que ça quand même, ça augmente un peu, je ne sais pas si vous, voilà, c'est pas non plus, c'est pas 0,5%, hein, c'est 2. Il y a 2 banques que nous n'avons pas encore contactées, c'est le Crédit Coopératif et la Banque Territoriale. Donc on va le faire. Voilà. Donc, moi, je vous ai à peu près dressé le portrait du budget. Voilà, qui est pas non plus un budget qui est offensif quand même, hein, parce que si à la fin de l'année, on a fini tout ça, bah, écoutez, ça sera quand même une année quand même dans laquelle on aura fait pas mal de choses. Voilà. Maintenant, vous pouvez intervenir si vous souhaitez intervenir. Vous avez des remarques. Jean-Luc. Oui, juste Thierry, pour que qu'on ait une idée un peu claire de là où on en est, hein, parce que quand on prend une municipalité, il faut un peu savoir où on en est. Alors c'est vrai que l'année dernière, ça a été un peu difficile. Maintenant, si je regarde, moi j'ai fait une projection sur les 17 dernières années, alors ça paraît long, mais c'est juste pour se dire, les moyennes ne sont pas tirées de... Moi, ce que je constate, hein, alors après, c'est mon métier en dehors du conseil, c'est qu'on a une capacité de financement qu'on appelle besoin de financement. Donc la capacité de financement, pour que les gens le sachent, c'est le solde du capital, c'est-à-dire la capacité à financer un projet. Sur les 17 dernières années, on a eu 8 années négatives.
on aurait dû être dans une strate. Donc une strate, c'est des statistiques qui sont données par la préfecture sur des volumes moyens concernant des communes qui sont à peu près de notre taille. On devrait être en moyenne sur, une capacité d'autofinancement qui devrait être à peu près négative. Là. Donc, on peut se dire que là, ce n'est pas nécessairement le plus dramatique. Par contre, ça a un impact fort, comme tu l'as dit, sur l'exploitation. C'est là que le bât blesse. C'est que ça fait des années qu'on a des charges de personnel supérieures à la moyenne, qu'on a d'autres charges, notamment des emprunts forts, qui font qu'on a des charges financières élevées aussi. Du coup, on a un fonds de roulement. Là, le fonds de roulement, c'est... Alors, je prends les définitions, parce qu'il faut aussi que les gens sachent de quoi... C'est la mesure de ressources à moyen et à long terme pour financer l'exploitation. Et là, on est en dessous de la moyenne de moitié. C'est-à-dire qu'on n'a pas une année qui est dans le vert, c'est-à-dire où on est au-dessus de la capacité des fonds de roulement moyen. Ça veut dire que là, pour donner un chiffre, on devrait être à 353 et on est à 185. Moi, je ne suis pas en train de jouer sur le futur, mais en même temps, ça veut dire qu'on n'a quand même pas un fonds de roulement génial et que ce fonds de roulement, c'est ce qui nous permet d'alimenter notre autofinancement. Et donc là, il est fortement dégradé depuis des années. Alors, ce n'est pas une question de faire la critique de ce qui s'est passé avant, loin de là, mais c'est de dire qu'effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Comme tu l'as dit, il y a des choix de services qui ont été faits. On sait qu'on a une école et que c'est un bien pour attirer notamment des populations, mais c'est aussi en termes budgétaires, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc là, je vous mets à disposition de ce document. De la préfecture d'Ardèche, donc ils sont les derniers comptes qui sont clos. Donc ça, voilà, c'est juste que dire qu'effectivement on a une capacité, en tout cas une marge d'action qui est quand même relativement faible, et on accepte effectivement on fait le choix d'avoir des services supérieurs à d'autres communes de notre taille. Ça, c'est un choix politique et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça n'empêche que derrière, il y a des choix financiers qui doivent être faits en termes d'investissement et notamment des grands travaux dans le futur, qui serait quand même dommage d'être obligé d'arrêter et d'avoir des rues toutes pavassées, tout simplement parce qu'on a fait les mauvais choix en termes d'investissement. Moi, je tiens à le dire parce que j'ai cette honnêteté et j'ai aussi la lecture des chiffres et que je ne veux pas regarder que sur un exercice, évidemment. On a fait un bilan meilleur, c'est l'année dernière qu'on a fait un bilan meilleur que l'année d'avant. Il faut tenir le coup, mais il faut aussi être prudent dans effectivement nos capacités de financement. D'accord. Oui, c'est vrai que l'année d'avant, en 2020, notre CAF était de 37 000 euros, donc c'était quand même... un petit peu les boulons. Hein. Donc, au lieu de 37 000 euros, on est à 122 555. On n'avait pas retrouvé cette situation. On l'a retrouvée en 2019, mais en 2019, après, le contre-coup, ça a été 2020. Donc, c'est dans la durée qu'il faut regarder les choses. C'est-à-dire que de manière... C'est sûr que cette année, il vaut mieux qu'on ait 4,78 de CAF brut que de se retrouver encore à 17. Ça, c'est évident. Bon, si c'est vrai que quand on le file sur un certain nombre d'années, on le lisse, on voit bien qu'on n'est plus à 4, qu'on est plus haut. Voilà. Après, il faut qu'on y aille quand même. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si l'année prochaine, notre CAF brut augmente un petit peu, on va essayer de la contraindre un petit peu quand même, parce que quand même, le travail que fait Thierry sur les bases, même s'il n'est pas fini, il y a des contraintes, il y a un petit peu de temps à passer dessus, sur la valeur locative. Il faut qu'on arrive à limiter l'augmentation de la CAF brute, mais si elle augmente un petit peu, on aura des raisons de comprendre pourquoi elle augmente. C'est-à-dire qu'en fait, on aura peut-être la salle des fêtes qui sera finie, etc. Donc on aura quand même en face des investissements qui ont été réalisés.
Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que notre CAF soit, si elle est basse ou si elle augmente un petit peu. Quand il y a, il y a eu la médiathèque qui a été faite en 2008, ça a été un gros coup dans le budget, puisque de toute façon, il y avait un investissement, mais sauf que la, salle de, la médiathèque, elle est là maintenant. Il faudra toujours continuer à l'amortir, hein, c'est une grosse dépense. Mais bon, la salle des fêtes, c'est vrai que la salle des fêtes, elle a été faite en 1950. Voilà. Donc, refaire une salle des fêtes complète, posée ailleurs, c'est plus de 1 million, 1 million 2, 1 million 3, enfin, c'est des trucs, des sommes. Saint-André, Saint-Sauveur, ils l'ont refait, la salle des fêtes à Saint-Sauveur, mais l'ancienne avait brûlé, donc ils ont pu, il y avait l'assurance qui a fonctionné, donc ils ont investi, mais ils n'ont pas investi à hauteur de du bâtiment tel que on le voit. Donc nous, quelqu'un m'avait dit un jour, mais pourquoi vous ne refaites pas une salle des fêtes ailleurs? Oui, on peut. Après, stratégiquement, elle est quand même bien placée où elle est, par rapport au centre du village. Et puis, là, on dépense 398 000, s'il fallait dépenser trois fois cette somme, je ne sais pas où... Enfin, on mettrait tout là-dedans. Ça, enfin, moi, il me semble qu'on ne peut pas tout mettre dans un projet de construction. Parce que si on se tient ce que dit Jean-Luc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix, dire où on met l'argent, où on investit, etc. Donc, si on veut investir sur d'autres opérations aussi, d'abord, on n'arrivera pas à la financer, d'une. Et puis, ça veut dire qu'on se prive d'autres opérations, notamment, par exemple, sur le côté médical, qui est important pour préserver l'avenir de Saint-Paul. Jean-Luc, tu voulais réintervenir? Oui, non, j'ai un FFP2, c'est compliqué. C'était juste pour qu'on comprenne bien, il y a deux angles. Soit, j'allais dire, on vit au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire on n'a pas assez de recettes et on a trop de charges, et dans ces cas-là, notre capacité à investir est limitée, mais ça, c'est valable dans la vie personnelle. Soit, effectivement, on réduit les charges d'exploitation pour arriver à retrouver une capacité d'autofinancement, et dans ces cas-là, on peut financer plus de projets. Donc là, après, il y a deux manières de faire, soit on réduit les charges, soit on augmente les produits. Voilà, je voulais faire une synthèse parce que parler de CAF et de fonds de roulement, ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà, c'est un peu l'enjeu, et effectivement, il faut voir que sur les dernières années, si on lisse la CAF, en vérité, on a 9 de moyenne. C'est ça. Donc, on peut se dire, ah ben, on est tranquille, on est à... On était à 12, on serait peut-être à 11 aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui veut dire qu'après, ben, c'est d'autres ennuis qui se profilent. Voilà. Moi, je ne veux pas être... Je suis pas nécessairement pessimiste, mais j'ai été directeur financier et je sais qu'il faut être prudent sur la durée. D'autres remarques? C'était un petit peu le débat qu'on avait la dernière fois. Voilà. Oui, on peut être que d'accord sur l'analyse qu'a fait Jean-Luc, hein. Ça c'est certain, mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'il faut être très très vigilant sur les budgets, et c'est ce que l'on fait depuis 2 ans. Donc voilà. Mais il faut savoir que si on exécutait ce budget tel qu'il est là, bon, sous réserve qu'on arrive à maintenir notre façon de gérer le fonctionnement, notre CAF va sûrement augmenter puisqu'on va emprunter. Donc il faut se dire que on va remonter un petit peu, ça c'est évident. Ou alors on est très fort et qu'on a, on a tellement serré le fonctionnement et qu'on arrive à rester à 4 en empruntant. Donc si on fait ça, on boit le champagne. Mais non, mais c'est évident, ça paraît pas possible. Sinon, voilà. Après, moi je pense que on peut réorienter parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on s'était dit, commençons par construire le local au niveau du stade, etc., etc. Mais je pense qu'il faut peut-être réfléchir à cette possibilité, c'est-à-dire faire sortir quelque chose, parce qu'il y a des financements des fois qui sortent qu'on ne voit pas arriver. Mais je revenais sur le bâtiment médical ou quelque chose, je ne sais pas quoi encore là-bas. Quand on voit la politique du conseil départemental qui se met en œuvre, je ne sais pas si vous l'avez regardé, qui est sortie il y a quelques jours,
C'est quoi les axes forts du nouveau conseil départemental? C'est le médical, c'est tout ce qui est en rapport avec la médecine de proximité, etc. etc. Donc, il faut, nous, il ne faut pas qu'on soit idiots et qu'on ne soit pas dans les bons créneaux au bon moment. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut développer le tourisme, ça n'empêche pas qu'il faut aller sur l'aire de camping-car, ça n'empêche pas qu'il faut aller sur l'aire de jeu aussi. Je pense qu'il faut arriver à tout conseiller. Voilà. Mais on a un peu réduit la voilure, quoi. Voilà, parce que sinon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Des questions? On en reste là? On va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant. Attribution. Convention d'application de la charte du parc national des Cévennes. Alors, bon. De quoi? Ah oui, subvention aux associations. Excusez-moi, c'est ma faute. Alors, donc, nous avons un petit peu regardé les demandes. Je vais laisser la parole à Thierry. Non. Voilà, donc, on a passé un petit peu je vais laisser la parole à Thierry. On a passé un petit peu à la moulinette un peu les demandes de subvention. Alors, vous savez qu'il y a forcément un écart entre ce qu'on demande et ce qu'on obtient, parce qu'on aimerait donner plus, mais en fait, on s'est un peu contraint, nous aussi, parce qu'on ne peut pas non plus, on ne peut pas faire le budget en se disant on va répondre aux demandes de subvention et on mettra le budget dedans. On fait l'inverse, on a prévu une somme hypothétique dans le budget et dans laquelle on souhaite rentrer dans notre cadrage. Et du coup, on part à l'envers, sinon on ne peut pas y arriver. Donc, on a étudié les demandes, on a fait les propositions, puis je crois qu'on s'est mis d'accord. Et je vais laisser la parole à Thierry qui va nous faire un petit peu le bilan des propositions de subvention. Alors, je ne sais pas après, peut-être que certains d'entre vous sont investis dans des associations. Alors, je me rappelle que la dernière fois, ce sont des présidents. Bon, je pense qu'on peut voter, on peut le voter globalement. Ou si vous étiez que pour chaque subvention. D'accord, bon, donc on le fera les unes après les autres. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Thierry qui va nous faire un petit peu le bilan de nos hypothèses de travail. Thierry. Alors, déjà, il faut préciser que cette année, nous avons plus de demandes qu'en 2021, ce qui est un peu normal puisqu'on était en plein Covid, donc les gens n'avaient pas spécialement fait des demandes dans la mesure où les activités avaient été soit annulées, soit réduites. Donc, Lou, Pelou, Ovalie, on a fait une proposition à 850 euros. Donc, Lou, Pelou, Ovalie, c'est la pratique du rugby. Hein, ensuite, l'association Les Parpaillous, on a fait une proposition à 500 euros. Un investissement. Et là, c'est de l'investissement, absolument. La boule Saint-Paulienne, on a fait une proposition à 600 euros. La société de chasse ACA, on a fait une proposition à 500 euros. L'ADPI, ce sera le CCAS qui prendra en charge. L'Union sportive de Saint-Paul-le-Jeune, on a fait une proposition à 2500 euros. Alors ça s'explique. Un, par le trail, et deux, par l'Ardéchoise qui revient cette année. Et à ce sujet, j'en profite pour une demande de bénévoles. Donc, si des gens nous écoutent, vous pouvez vous inscrire auprès de cette union sportive pour l'Ardéchoise. L'ADAPS, on a fait une proposition à 500 euros. La prévention routière, c'est le CCAS qui prendra en charge. L'APE Saint-Paul-le-Jeune, on a fait une proposition, donc c'est l'APE, c'est l'association parents d'élèves, on a fait une proposition à 1000 euros. Le TCV, c'est le tennis, on a fait une proposition à 800 euros. Contre le cancer seront gérés par le CCAS. L'ACL, nous faisons une proposition de 3500 euros. APF France Handicap, c'est également le CCAS qui prendra en charge. Et enfin, les affamés ont fait une proposition à 1500 euros. Ce
D'accord. Pour un total donc du pour un total de 12 300 euros de subvention. Voilà. Alors que l'année dernière, on l'avait attribué pour 9 500 euros de subvention. Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez intervenir sur pas sur le montant, parce que je pense qu'on l'a un peu calé entre nous, enfin, à moins que quelqu'un dise mais c'est pas assez pour une subvention, mais je pense qu'on a un peu, la dernière fois, on a un peu calibré, quoi. On a essayé de vraiment positionner, de poser le pour et le contre. Donc, on rappelle aux associations quand même que lorsque une association est sur Saint-Paul-le-Jeune, il y a son siège social, on doit nous inviter à l'Assemblée Générale. Voilà, et puis on doit nous faire un bilan financier avec un budget prévisionnel dans lequel on voit les dépenses prévues. Voilà, et que c'est indispensable pour qu'on puisse statuer, pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Bon. Alors, je vous propose, alors, si quelqu'un dit, ben moi je ne participe pas à celui-là, vous le dites, hein, comme ça c'est plus simple et on décompte à la voix après au fur et à mesure. Hein. Alors, pour la première association, le pratique du rugby, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité c'est 14, hein, c'est ça. Hein. Pour les parpaillous, pour 500 euros, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Pour la boule Saint-Paulienne, pour une somme de 600 euros, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Tu ne participes pas, alors, Jean-Luc ne participe pas, mais tu as une voix, tu as une... D'accord, donc qui est contre. D'accord, donc il y a 13 participants du coup. Hein. Ah oui. Oui, Jean-Luc ne participe pas au vote de la boule Saint-Paulienne. D'accord, donc ça fait 13... Parce qu'il est président d'honneur. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 13 votants, d'accord, qui est contre, qui s'abstient, donc 13 votants, à l'unanimité des membres qui s'expriment. Pour l'association de chasse, une somme de 500 euros, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Ok, pour l'Union sportive Saint-Paulienne, une somme de 2500 euros, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Pour l'ADAPS, association sur Saint-Paul, de 500 euros, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Pour l'association Lampard d'élèves, l'APE, donc une somme de 1000 euros, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Pour une somme de pour le club de tennis, les vents symboles de 850 euros, qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité. Pour ACL, l'association culture loisirs, une somme de 3500 euros, contre. Jean-Luc ne vote pas non plus. Donc Jean-Luc ne vote pas, donc il y a 13 votants qui est contre, qui s'abstient. Donc Michel, ça fait 2. Oui, Michel aussi, oui, effectivement. Qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité des membres qui s'expriment, ça fait 12. Ensuite, les affamés, pour une somme de 1500 euros, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Donc c'est 14. Donc on a réparti une somme de 12 300 euros. Nous passons ensuite à l'attribution des marchés. Non, la charte, décidément, je ne vais pas y arriver. La charte du Parc national des Cévennes. Pour la mise en la convention d'application. Donc vous l'avez tous lu et vous l'avez mis sur votre table de chevet pendant les 3 jours depuis mardi. Et donc Muriel a un QCM à vous proposer. La mesure 1.1. Non, je rigole. Donc, je ne sais pas, bon, vous l'avez regardé, je suppose, à moins que vous ayez des questions. L'idée est un petit peu généreuse et l'idée de se dire au fond. On ne sollicite pas assez le Parc national des Cévennes pour des projets. Et donc, on a essayé avec il y a un référent dans lequel on a dit, au fond, on pourrait peut-être participer sur ça, etc. Donc, du coup, on a listé. Donc, c'est assez ouvert. C'est pas non plus, voilà, c'est pas fermé. C'est un peu de mettre noir sur blanc un peu sur quoi on pourrait travailler. Et je vous rappelle que normalement, ils doivent subventionner une haie vive. Vous savez, une haie à replanter. Donc, si jamais ça marche, on pourra refaire la haie qui est à l'arrière des logements de Ardèche Habitat, et puis peut-être sur la ligne droite qui va vers le tunnel,
vous savez, en bordure, là, l'endroit où ça se rétrécit, une fois qu'il y a la place d'un côté, tout le long, là, s'il y a un petit caniveau, c'est pas terrible, il manque d'arbres, donc du coup, il nous financerait une haie vive tout le long. Donc du coup, ça nous aiderait un petit peu à... Voilà, et c'est assez lâche, quoi. Donc on attend les résultats, mais sans contribution de notre part. Donc ça serait pris en charge par le Parc national des Cévennes. Voilà. Donc on n'a pas encore le retour, hein, mais... Voilà, donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'être plus lisible au niveau du Parc national des Cévennes. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques? C'est généreux, c'est pas non plus, il n'y a pas de contrainte pour nous, c'est simplement plutôt de rendre lisible. Moi, j'aimerais qu'il y ait un panneau au niveau de l'entrée Saint-Paul, commune du Parc national des Cévennes, ça y est pas. Bon, voilà, c'est une petite bricole, mais ce logo qu'on le mette un petit peu partout, hein, ça nous attire, enfin, je veux dire, ça donne au territoire un petit peu de lisibilité. Voilà. Et puis, on a l'ABC de la biodiversité, vous savez, le petit recueil. Ce matin, Magali a fait une. Comme je le disais la dernière fois, la communauté de communes adhère au parc national des Monts d'Ardèche et du coup, il y a trois communes qui sont dans le parc des Cévennes. Donc c'est nous, c'est Bannes et c'est Beaulieu. C'est Berrias, Casteljau. Voilà, les trois communes. Voilà, si vous n'avez pas de remarques, on va soumettre au vote ce projet de convention d'application. Pas de remarques, alors on le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant au contrat d'assistance. Non, c'est vrai. Attribution des marchés dans le cadre de la rénovation en salle des fêtes. Alors, je voulais que vous preniez ce document. Faites passer. Hop. Et voilà. Thierry. Hop. Voilà. Alors, le marché de la salle des fêtes, donc, vous vous rappelez qu'il y avait une commission d'appel d'offres qui avait été faite il y a quelques temps. On s'inquiétait un petit peu beaucoup, enfin oui, un petit peu beaucoup, hein, sur le fait d'avoir des entreprises qui répondent, de savoir si les prix n'allaient pas exploser, et de savoir, bref, si tous les lots pourraient être fournis. Donc, alors comment ça fonctionne? Bon, de maîtrise d'ouvrage est venu avec un document que vous pourrez consulter si vous voulez. Donc en gros, pour chaque lot, ils nous ont fait une étude, d'accord, c'est à dire que pour chaque lot, ils ont des critères d'analyse, c'est normal, hein. Donc par exemple, l'offre de base, ils regardent le prix de l'engagement, ils regardent si il y a des variantes, si le nombre de semaines pour faire les travaux, ils regardent les astreintes, tout ce qu'on peut, le nombre de personnes qui interviennent, les moyens d'hygiène et sécurité, la gestion des déchets, les produits et matériaux, la qualité de la mise en œuvre, tout ça, et ils arrivent à une note. Voilà, alors cette note, donc, c'est une note qui est notée sur je ne sais plus combien. Et s'il y a plusieurs entreprises, parce que sur certains lots, bon, je ne veux pas détailler parce que ça fait partie de la réponse qu'on va faire aux entreprises. Les entreprises, quand ils postulent, ça ne va pas s'ils sont seuls ou ils sont deux ou ils sont trois ou ils sont quatre. C'est la règle de postuler. Bon, et du coup, ils nous ont, au cours de cette réunion, ben, ils nous ont examiné tous les lots et du coup, ils nous ont dit, ben voilà, c'est la proposition qu'on vous fait en fonction des critères qui ont été retenus. Bon, nous, on a été très, enfin, la commission, on a été favorable. Il y avait un lot ce qui est intéressant, c'est que on est resté dans l'estimation qui était prévue en bas. Si vous regardez l'estimation de 316 000 hors taxes, on est en dessous de 4 000 euros. Voilà, donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on ne fait pas exploser le marché, quoi. Hein, on est resté sur, et du coup, voilà, les lots, donc le gros œuvre, ça serait ASCG Travaux, l'étanchéité à GW étanchéité. Menuiserie extérieure, c'est ATBR. Alors, si vous allez me dire c'est qui, où ils sont, je suis un peu désolé de la trouver quelque part. En tout cas, c'est que des entreprises locales, je crois. Hein, c'est ça. Ouais. Joint Royal pour la plâtrerie. Mousselec, je crois qu'ils sont au Vence. Hein. Deux joues, ils ne sont pas loin non plus. ATBR pour le même lot que la menuiserie. Yaman MET Céramique pour le carrelage. Sim Fermeture pour la serrerie. Façade SG Travaux. Et peinture Santos et Fils. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont dans le marché,
leur offre a été analysée. Donc, vous voyez, pour le lot plomberie, CVC, Clim, il y a une option hors taxe, c'est pour la maintenance, en fait, qui a été prévue sur le côté en plus. Donc, après, on prendra ou prendra pas, mais en tout cas, ils nous l'ont proposé. Voilà. Donc, du coup, ben, voilà, nous, en fait, on a été un petit peu les observateurs dans la commission. Et c'est là qu'on a dit, ils nous ont expliqué, bon, on peut faire confiance au maître d'œuvre, c'est qui est fait par le bureau. Hein, donc, et après, moi, je vais répondre. Donc, je vais vous demander de valider cet appel, ce résultat, puisque après, je vais écrire aux entreprises pour leur dire qu'ils ont été retenus ou pas retenus. Et elle a expliqué pour qu'elle fait, en tout cas par rapport aux critères qu'on a retenus. Voilà, donc c'est bien, parce que franchement, je m'inquiétais un peu, parce que vu le prix des matériaux en ce moment, c'était un peu compliqué de savoir si tout le monde allait rester dans les clous. Voilà. Bon, après, ce n'est pas des lots d'une 13e, enfin voilà, y a pas de, on n'est pas arrivé avec des grosses entreprises venant d'ailleurs, puisque les lots n'étaient pas non plus démesurés, et ça permet de faire travailler un peu localement. Voilà, c'est un peu le but recherché. On avait dit quand même que dans le cadre de la relance, il vaut mieux que ce soit des entreprises locales ou en tout cas pas très loin qui puissent faire ces travaux parce que c'est normal qu'on fasse fonctionner l'économie locale. Est-ce que vous avez des remarques sur ces lots? Bon, après, il y a des gros documents là, détaillés si vous voulez les consulter. Bon, je ne dis pas que c'est confidentiel, mais on ne peut pas les photocopier, mais voilà, c'est consultable, quoi. Hein, si vous n'hésitez pas. Voilà. C'est l'économiste qui a fait l'analyse complète, de manière un petit peu, sans parti pris. Est-ce que vous avez des remarques? Voilà, moi, il me paraît que je suis assez content hein, sur la somme. Voilà, donc on va le soumettre au vote. D'accord? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, donc on approuve l'attribution du marché et on écrira aux entreprises. Alors, vous savez, le fameux contrat d'assistance de maîtrise d'œuvre avec le SDEA sur l'aménagement de la rue Gaston-Roussel, donc je vous le resoumets, ce contrat, puisque c'est celui qui était écrit dans le budget et dans lequel vous m'avez posé la question de savoir comment décortiquer les 240 000 euros. On n'est plus que sur 180, je ne sais plus combien, et 90 000 euros voilà, qui ne sont pas pour nous, si on le fait. Voilà. Mais on reste sur la même somme d'assistance de maîtrise d'ouvrage. Voilà. Des questions ou pas? C'est bon? On va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Informations diverses. Quelques petites informations diverses, si je n'ai pas perdu mon papier, mais je vais le retrouver. Alors, tac. Ça va le faire. Là, voilà. Alors, un petit point sur la collecte de matériel médical en direction de l'Ukraine. Donc, vous rappelez, on avait eu à l'initiative des infirmières, il faut le dire, qui nous avaient sollicité pour dire, au fond, on pourrait faire une collecte. Donc, écoutez, ça s'est bien passé. Tous les cartons sont étiquetés, emballés, répertoriés à l'étage. Donc, il y a eu deux réunions de travail. On a sollicité deux entreprises. Alors, je ne me rappelle plus. Jean-Luc, tu as le détail un peu. Tu te rappelles le nom ou pas? Donc, il y avait une entreprise qui est... Oui. Oui, comment ça s'appelle? Alors. SN Médical. Donc, une société... Donc, qui est basé au Vence, c'est Séverine, voilà, qui vraiment nous a beaucoup aidé et qui a... Voilà, et avec qui a fait un don, voilà, parce qu'il y avait peut-être un quiproquo sur le fait que j'avais marqué sur Iliwap que il y avait qui vendait le matériel à prix coûtant. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les gens ont acheté le matériel, puis après, lui a fait une déduction et lui a apporté le matériel en compensation. Voilà, donc ça veut dire que voilà, donc ça s'est bien passé finalement. Voilà, sa marge a été traduite en produits supplémentaires. Donc, on va clore cette activité ce week-end et nous sommes à la recherche d'un transporteur de la vallée du Rhône pour transporter ce matériel. Donc, je suis en contact. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Voilà. Parce que c'est un peu le problème de
nous, on nous a dit surtout pas de vêtements, des choses comme ça, parce que de toute façon, on n'emporte pas. Donc, on a bien fait d'être positionné sur ce type d'objet, quoi. C'est parce que c'est peut-être ce qu'il leur faut et qui est le plus performant pour amener là-bas, quoi. Voilà. À propos, donc, on sait qu'il y a une famille, c'est ça, qui est arrivée sur Saint-Paul, hein, sur plusieurs familles sur Saint-Paul. Donc, on verra bien comment on est sollicité, nous, la mairie, là-dessus. Je pense qu'il y a des enfants, selon l'âge, qui peut-être intégreront l'école de Saint-Paul ou le collège. Enfin, ça dépend un petit peu de leur... voilà, à l'école. Donc, un nouvel élève à l'école. Donc, et puis, on verra s'ils sont plus grands, on peut aller au collège ou au lycée. Ça dépend un petit peu. Voilà pour ça. Je crois que j'avais autre chose à dire. Oui, je vous rappelle que demain, il y a dimanche, il y a la bourse aux plantes donc, qui est organisée. Donc, on va essayer, s'il ne fait pas trop mauvais, ça se passera dans le petit jardin. Et sinon, on investira à la cour de l'école, une des deux. On va, c'est le duo plutôt, puisqu'il y a un préau. Voilà, et on pourra se mettre dans le préau, la température annoncée est de 2-3 degrés. Donc, ça conservera les plantes et les graines. Voilà, donc apparemment, il y a assez de monde qui souhaite venir, puisque je crois qu'il y a une trentaine de personnes, c'est ça. Donc, c'est la première étape. Voilà. Et puis, je rappelle à tout le monde que les élections, c'est donc dimanche prochain, le premier tour. Après, on fait une pause pour Pâques, et puis on recommence la semaine d'après. Et je vous rappelle donc que je vais vous solliciter, chers collègues élus, pour tenir donc le bureau. D'accord. Et attention, cette année, le bureau est ouvert de 8h à 19h et pas 18h. Voilà, donc on fera un bureau. On fera comme d'habitude, on fera ceux qui sont nommés titulaires du bureau. Il faut qu'ils ouvrent le bureau et ils ferment le bureau pour signature. Et entre les deux, je vous ferai passer un petit papier dans lequel vous pourrez prendre des créneaux, hein, comme on fait d'habitude. Bon, voilà. Donc, et puis ça se passera ici. On verra les consignes sanitaires qui s'ils sont durcies ou pas. On essayera quand même de ventiler, on ne peut pas imposer le port du masque, ouais, on ne peut pas, donc du coup, il faudra qu'on... Voilà, je n'ai pas entendu Eric. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas l'imposer, donc pour l'instant, sauf s'il y a des nouvelles consignes qui sont mises en place. En tout cas, nous, en tant qu'élus, je pense qu'il faut qu'on se protège un peu, parce que nous verrons passer pas mal de monde, donc je vous recommande, nous, élus, d'être dans des conditions... un petit peu, on remettra, vous savez, les trucs en plastique qu'on a eu la dernière fois. On essayera et puis on essayera de faire un tour dans la pièce un petit peu pour que les gens ne se croisent pas. Hein. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres points à aborder? On avait des choses à dire ou pas en plus? Oui. Bon, juste, j'avais eu un message de Jean-Michel Laboy qui s'occupe de l'Union sportive, oui. Qui m'a demandé de faire appel. Alors, j'ai déjà fait sur IDIWAP, mais je le relance ici. Il souhaite arrêter d'être correspondant de l'Art des Choix l'année prochaine. Oui, là, cette année, il tiendra le rôle, mais il souhaite qu'il y ait quelqu'un qui puisse effectivement aller porter la bonne parole de la ville de Saint-Paul-de-Jeune auprès de l'Art des Choix. Donc, c'est quelques réunions à suivre, et puis c'est surtout de reprendre le flambeau sur l'animation et l'organisation de l'Art des Choix. Je pense qu'ils le font en co. Animation avec la DASP, parce que je sais qu'ils sont à fond sur les décorations, donc je les remercie aussi. Mais voilà, avis au bon entendeur, on cherche un correspondant bénévole pour être sur l'Art des Choses l'année prochaine. Donc regardez sur IDIWAP, il y a les coordonnées de la mairie, éventuellement celle de Jean-Michel, pour prendre le relais. Il faudrait que ce soit plutôt un jeune que... voilà. J'en dis pas plus. Voilà. Sinon, on n'a qu'une seule question ce soir du public, c'est les chiens continuent de divaguer résidence Ardèche. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, oui, pour ce soir. Oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de chiens à Saint-Paul. Oui, non, mais après, bon, ces chiens appartiennent bien à quelqu'un, donc on peut essayer de savoir. Ardèche Habitat ? Oui. Eh oui. D'accord. Bon, c'est noté. D'autres points? D'accord. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, cher collègue? Tu as raison. Donc, le samedi 23 avril, donc à 11h, on fera l'inauguration du jardin et livre d'elle à côté de l'église.
Donc on a invité les membres de la famille qui sont un petit peu sur Joyeuse ou aux alentours, et on invitera les élus locaux, départementaux, sénateurs et députés, pour venir s'associer à nous. Et on fera un petit pot à 11h pour se réunir. Hein, voilà. Alors, oui, alors la difficulté, si tu veux, c'est qu'on est en période de réserve. Donc, alors j'ai envoyé au sous-préfet, forcément. Le sous-préfet m'a répondu qu'il ne viendrait pas parce que les gens qui sont des agents du service de l'État ne peuvent pas participer à des manifestations pendant la période de réserve. Un conseiller général nous a répondu, donc il viendra, et peut-être que le député viendra, mais parce qu'ils sont, eux, ils n'ont pas de réserve. Voilà. Voilà. D'autres remarques? On en reste là. Voilà, donc veuillez nous excuser pour le début un petit peu chaotique. Alors j'ai une information aussi importante à dire, c'est que... Bon, il faut faire un démenti par rapport à ce qui est paru sur Eliwap ce matin et Facebook concernant la mise en place d'un téléphérique. Donc, il faut faire une mise au point sur ce projet parce que nous avons eu cet après-midi le standard Cognadjé a failli exploser, parce que nous avons eu beaucoup d'appels. Donc, nous devons donc rectifier les propos de ce poste. Donc, devant l'emballement pour ce projet, nous avons décidé donc de relier également par le téléphérique les hameaux de la Gadille, d'Essagne et de Sauvas, afin de ne laisser personne au bord du chemin. C'est notre devise. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.